Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir le matériel idéal pour faire de la musculation chez soi. Matériel ou accessoire, appelez ça comme vous voulez, pour faire de la musculation chez vous. Ok? Alors avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et ma particularité c'est que ce que je vous propose c'est toujours à la maison. À la maison ou dehors, enfin, avec des petits accessoires. Ok? Donc on va voir vraiment les accessoires, le matériel idéal pour s'entraîner chez soi. Alors, on va commencer tout de suite avec les accessoires que j'utilise. Donc, il y a, premier accessoire, il y a le kettlebell. Le kettlebell, vous connaissez peut-être. Celui-là, c'est un 20 kg. Donc là, cette grosse boule en fonte avec une poignée, ici, qui a un intérêt qui est vraiment très intéressant, surtout sur la préparation physique, car on va travailler plutôt de façon fonctionnelle. C'est-à-dire un exercice qui est connu avec le kettlebell. C'est par exemple le swing ici avec le coup de bassin. Là, c'est ça. Donc c'est un des exercices très utilisés au kettlebell. L'intérêt, c'est que ça va travailler la chaîne postérieure, ce que jambier, fessier, lombaire, et surtout une transfert de force, donc le mouvement d'explosivité pour pouvoir lever le kettlebell avec le coup de bassin. Donc il y a un intérêt pour travailler de façon fonctionnelle, de façon explosivité, parce que mouvement de kettlebell, on peut le transférer après avec de son longueur par exemple. Donc très intéressant. L'autre intérêt, c'est qu'on peut travailler énormément de choses avec, mais surtout ce qui est bien, c'est que la poignée, contrairement à l'haltère, on a le poignet et le poids, il n'est pas aligné. Donc il y a pas mal de mouvements où ça demande beaucoup de coordination pour maîtriser le kettlebell. Parce que bah, voilà, le poids il bouge, donc ça rend instable. Ça rend très instable. Donc l'intérêt du kettlebell, c'est ça, travailler la force avec un gainage très ancré. Okay, donc il y a des vrais spécialistes de kettlebell. Moi j'utilise le kettlebell pas mal, j'aime bien aussi. Je ne suis pas un spécialiste du tout de cet accessoire, mais j'aime bien l'utiliser aussi. Autre accessoire que j'aime bien, que vous connaissez tous, c'est les haltères. D'accord? Là je vous parle vraiment d'accessoires que vous pouvez facilement avoir chez vous, qui ne prennent pas énormément de place. Je parle juste de l'haltère. Bon, idéalement deux haltères bien sûr. Vous connaissez, hein, le simple haltère. Donc très intéressant, c'est pareil, si vous me suivez un petit peu, on peut vraiment travailler de façon complète avec les haltères. Moi, j'aime bien travailler de façon fonctionnelle, donc avec ça. Donc façon fonctionnelle, faut savoir la fonctionnalité, c'est-à-dire des mouvements qui soient transférables dans le quotidien, c'est-à-dire on ne va pas chercher juste à cibler un groupe musculaire, par exemple ici, juste à cibler le curl biceps. Je n'appelle pas ça fonctionnel, parce que dans le mouvement, on ne va pas bloquer le coude et bouger que ici. On va plutôt utiliser un ensemble de chaînes de groupe musculaire pour faire nos mouvements dans le quotidien, dans votre sport, dans n'importe quoi. Donc travailler le corps dans son entièreté en fait. Donc les haltères, ça permet de bien travailler aussi hein, des mouvements comme le rowing. On peut travailler avec deux, des mouvements très complets comme ici l'arraché, mais aussi le développé couché avec haltères par exemple. Hop. Moi, c'est un mouvement que j'aime bien. Ici, je vais lever les fesses. Donc je lève les fesses, donc gainage fessier, ischio-jambier, lombaire et tendons d'avant-bras. Ici, si je le fais qu'avec un bras, donc là il y a un gainage qui est plus fort parce que je vais être un peu titubé sur le côté. Donc ça m'implique d'être plus fort en gainage pour pas que mon corps bascule. Ici, là, que d'un bras. Ici, là. Et j'ai pas besoin de banc. Vous voyez, je suis en amplitude complète et je travaille bien de façon complète le gainage, les pecs, les triceps, le tout. Alors avec deux haltères, on peut aller plus loin, bien sûr. Genre d'accessoire, voilà, hein, qui est facile à ranger. Après, si vous avez plus de place, il y a le banc. Le banc, c'est bien parce que vous pouvez. Ça dépend de la place. Après, là, le mien, par exemple, il est un peu encombrant, mais ça peut facilement se ranger dans un coin. Mais même sans banc, juste avec les haltères, déjà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ok? Un accessoire, je mets un peu dans l'ordre de ceux que j'utilise le plus, mais plutôt décroissant. Voilà, celui que j'utilise le moins, c'est le kettlebell. Après, c'est les haltères. J'aime bien. Après, l'accessoire que j'utilise le plus, ça va être les sangles de suspension. J'aime beaucoup cet accessoire-là. C'est ça, les sangles de suspension qui se règlent si facilement en bas, en haut. Donc, l'intérêt premier, alors avant de parler d'intérêt premier, je l'ai mis ici sur une barre. Donc, c'est top d'être sur une barre parce qu'on peut se mettre carrément en dessous pour les moments de gainage. Là, je suis bien en dessous. Ou pour les pompes, par exemple, je suis bien en dessous. Ok? Mais ça peut se mettre sur une porte. Hein. Il y a toujours une encre de porte, peu importe les marques, hein, quasiment toutes les marques, à ma connaissance, toutes les marques ont une encre de porte
pour les mettre à la porte. Si votre porte est dans le sens de l'ouverture, c'est une question qu'on me pose souvent ça aussi, ne le mettez pas là, bien sûr, mettez-le près de la charnière, ici, vous le mettez près des charnières, comme pour les élastiques d'ailleurs, qu'on va voir tout à l'heure, mettez près des charnières pour que ce soit bien tenu, pour pas qu'il y ait un risque que la porte s'ouvre, mais ça peut se mettre sur la porte. Et cet accessoire-là, on va travailler surtout, l'intérêt premier, c'est l'instabilité, comme les fentes, par exemple, les pieds dans les sangles, on va mettre un pied dans la sangle, on va chercher à monter et descendre, on est instable. Le gainage, très fort, tout l'exercice de gainage avec ça, ici, là par exemple, on va chercher à stabiliser, là, sans que les sangles touchent les bras, ici, il y a un gros gainage qui est installé. On va faire les mouvements comme les pompes, le rowing et tout ça, mais sans que les sangles nous touchent les bras, qui va travailler l'instabilité sur les épaules, donc qui va travailler les muscles profonds de l'articulation des épaules. Donc c'est vraiment plus fonctionnel, c'est pas bodybuilding, parce que là, je vous montre par exemple les pompes classiques. Une pompe classique, ça serait ça, ici. Voilà, je descends et je pousse tout simplement, avec la sangle qui me frotte sur les bras. Le vrai mouvement de pompe avec les sangles, c'est ici, là, je contrôle et la sangle ne me touche pas les bras. Donc là, je suis beaucoup plus instable, ça demande beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de gainage, d'accord, beaucoup plus de contrôle dans l'instabilité. Donc un travail très intéressant sur les muscles profonds des épaules pour stabiliser l'articulation et un gainage très puissant. Et avec les sangles de suspension, vous pouvez les voir sur ma chaîne, il y a une playlist spéciale sur les sangles de suspension, vous pouvez faire du gainage mais extrêmement puissant. C'est pour ça que ça fait partie de mes accessoires favoris. Le gainage avec ça, c'est mortel. Vous pouvez vraiment faire du gainage vraiment puissant. Et le dernier, mon accessoire favori, ça, si vous me suivez, vous le savez, les élastiques, ici, les élastiques, parce que avec les élastiques, vous pouvez vraiment remplacer une salle de musculation. Vous pouvez tout faire avec, absolument tout faire. Donc, avec les élastiques, il y a une encre de porte, vous mettez au milieu de porte, en haut, en bas, peu importe où vous voulez, pour travailler dans les angles différents, du bas vers le haut, du haut vers le bas, du milieu. Donc ici, par exemple, là, les mouvements de face, d'accord ? Hop, de pousser, ici, hop, ici de pousser. Ce qui va être intéressant avec les élastiques, comme le mouvement de pousser, c'est que là, je vais travailler les pecs, mais en plus, une poussée arrière, donc je suis obligé d'être fort sur mes appuis, je suis obligé de prendre conscience de mes jambes et de mon gainage, parce que sinon, juste la force de mes pecs ou des bras, ça suffira pas, je suis obligé d'être solide sur mes appuis. Donc, niveau fonctionnalité, préparation physique générale, c'est vraiment idéal parce qu'on va travailler dans des angles totalement différents. La résistance, elle est progressive, c'est vraiment l'un des gros avantages avec les élastiques. Ici, là, quand je vais chercher à monter, le début du mouvement, c'est assez léger. Et plus je vais monter, plus l'élastique se tend, plus c'est extrêmement dur. D'accord ? Donc ça va être progressif. Pour les articulations, c'est vraiment la grosse force des élastiques. Dans les mouvements, les articulations, ils le préfèrent en fait. Il y a quand même beaucoup moins de traumatisme avec les élastiques et avec les haltères. D'ailleurs, c'est le premier retour qu'on fait en général avec les élastiques, c'est que les gens ont plus de douleur aux articulations qu'ils pouvaient avoir avant avec les haltères. C'est extrêmement riche, le gainage avec. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y en a qui utilisent les élastiques que pour la musculation traditionnelle. Ils vont pas forcément les mettre ici. Ils vont les mettre sur un banc. Ils vont faire que du curl biceps, les triceps, des mouvements traditionnels de musculation. Moi, je vais faire plutôt fonctionnel. Donc, je vais les accrocher souvent pour être un peu instable, pour utiliser mes jambes en même temps que j'utilise les bras. Mais on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et surtout, les élastiques, c'est une centaine d'euros. Le pack que j'ai, moi, Smart Workout, il y a la barre aussi. La barre, les élastiques, il y en a plusieurs, poignets et chevilles, une centaine d'euros, vous avez une vraie salle de muscu entière chez vous, extrêmement complet, pas d'excuses en fait. Vous pouvez le transporter facilement, vous pouvez l'emmener avec vous dehors, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'on peut vraiment tout faire avec. Voilà, les accessoires que je vous conseille vraiment chez vous. Après, il y a d'autres accessoires comme le Swiss Ball, le ballon Swiss Ball, c'est intéressant aussi, mais c'est déjà un peu plus volumineux. Il y a plein d'accessoires, mais vraiment l'accessoire que je vous conseille, c'est les élastiques. Après, le top du top, si vous voulez prendre un peu de tout, élastique, sans suspension, halter, kettlebell, l'avantage de varier les accessoires, c'est que vous allez varier les plaisirs, varier les efforts, varier les difficultés. Donc, forcément, vous ennuierez pas et ça vous permettra d'être le plus complet possible. Par exemple, les pompes avec sangle de suspension et les pompes avec élastique, c'est pas du tout le même effort. Les pompes avec sangle de suspension, pompes avec élastique ou un développé couché avec halter,
on n'est pas du tout dans le même effort. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien tourner avec tous ces accessoires-là. En règle générale, l'accessoire que j'utilise le plus à 70% au minimum, ouais, au moins 70%, c'est les élastiques. Après, j'aime bien tourner avec les autres, les haltères plutôt pour des mouvements un peu d'haltérophilie, de préparation physique, d'explosivité. J'aime bien les haltères pour l'explosivité, les sangles de suspension plutôt pour le gainage puissant. Travail de jambes, j'aime bien les jambes aussi avec les sangles de suspension. Kettlebell pour des mouvements de dynamisme aussi. Voilà, je varie mes séances et ça permet de toujours avoir de la variété, encore une fois, être le plus complet possible. Okay, si vous cherchez vraiment être une musculation fonctionnelle, être le plus performant dans votre quotidien, premier accessoire, c'est les élastiques de loin, parce que vous pouvez vraiment tout faire, il n'y a pas de question à vous poser, vous pouvez tout faire. Si vous voulez vous épanouir et être plus riche en méthode d'entraînement, bah, rajoutez un autre accessoire, celui que vous voulez, sangle de suspension, haltère, peu importe, pour avoir plus de diversité. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider pour choisir vos accessoires et que ça va vous motiver pour passer à l'action. D'accord? Peu importe l'accessoire que vous prenez, déjà prenez un pour vous lancer. Et puis, bah voilà, si vous voulez mon avis pour les accessoires, moi, ce que je préfère, c'est les élastiques. Je vous ai déjà dit pourquoi, hein, pour travailler de façon linéaire, la résistance linéaire, la diversité d'exercices, le gainage fonctionnel qui est incorporé. Voilà, on peut tout faire avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo-là va vous éclairer, va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager aussi autour de vous et surtout, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner bien sûr à ma chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!